Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour, sans jeu de mots, j'ai envie de dire même en ron 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 ce soir. Parce que nous recevons le leader de Soft, Fred D. est notre invité ce soir. De la douceur et de l'engagement, sans doute, dans cette interview. Bonsoir, Fred D. Bonsoir. Oui, je disais en ron 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 parce que, oui, l'émission s'appelle Questions sans détour. Un jeu de mots, elle est un peu facile, mais qui raconte le début d'une très belle histoire que celle de Soft. Oui, ça fait 20 ans. On a commencé en 2003 en jouant la première partie de Kenny Garrett à la Casa. Mm-hmm. Et voilà, Soft, c'est un projet artistique. C'est une musique, on se dit, bon voilà, est-ce qu'on peut créer une nouvelle musique à partir des traditionnels? C'est-à-dire, mm-hmm. au lieu de, pour moderniser notre musique, au lieu d'aller chercher ailleurs, aller dans la racine, essayer de produire quelque chose qui n'est pas du zouk, mais qui est profondément ancré, parce que ça part des luttes traditionnelles. Et donc ce projet artistique-là, ça fait 20 ans qu'on le fait, avec le soutien du public, avec le soutien des médias, etc. Oui, parce que ça a facilement trouvé son public. J'ai envie de dire qu'il y a l'association de cette culture intrinsèque traditionnelle, comme vous le dites, mais aussi des talents, des musiciens qui ont accompagné cette démarche à vos côtés. Ah oui, je mens pas, j'ai des musiciens extraordinaires. Ouais, ouais. Philippe Sadicalé au saxophone, Joël La Rochelle à la basse, Maxence D.R. à la composition au chant, Julia Ricide au violon, bah, et puis des percussionnistes. Là aujourd'hui, c'est Julienne Valérie Antiope. Il faut une bonne équipe. Et en fait, c'est pour de nombreuses raisons. Il y a une valeur philosophique justement à ce que l'équipe puisse fonctionner ensemble. Ce sont des musiciens certes doués, talentueux, mais qui ont partagé cette volonté que vous aviez. Oui, parce que je les connais, à part mon frère, je ne les connaissais pas avant Soft. Ouais. Ce sont des musiciens que j'ai connus dans Soft. Ils sont devenus des amis. Mm-hmm. Et nous avons une admiration partagée dans Soft. Mais je dois beaucoup à Dominique Coco, oui, dans mon parcours. Mais aussi, il m'avait dit une chose. Il m'avait dit, Fred, là, on montait 6 scènes, comme c'est vrai avec Imosola, musicien qui piffe up CO. Ouais. Donc du coup, c'est ce que je fais. Donc j'ai choisi des types qui sont meilleurs que moi. Ouais. Et donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Et avec beaucoup de cœur, je fais plus attention à la qualité de l'équipe, à la qualité du cœur, mm-hmm. que l'on met dans les choses, qu'à d'autres éléments. Justement, je disais en début d'interview qu'on parlerait sans doute de douceur et d'engagement. Ah. Douceur dans la mélodie, douceur dans la musique, mais dans le phrasé, il y a des symboles, il y a une volonté de dire des choses sur notre société. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est d'écrire, être le témoin de ce que nous sommes. Oui. Témoigner de ce que nous vivons. Quand je dis « Tinek, Tiblan, Tisindien, Fauvinogan, Guadeloupéen », c'est le rêve que j'ai pour moi-même et pour mon pays. Parce que je veux dénoncer le racisme qu'il y a chez moi et je veux dénoncer le manque d'espoir. Crime contre la Guadeloupe, c'est pareil. C'est-à-dire que contre la Guadeloupe souffre de la passivité des Guadeloupéens. C'est eux-mêmes. Voilà. Ouais. On, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est de dire, mais il faut nous prendre habiter un nom en main. Mm-hmm. Et la musique me permet de faire ça parce que quand on part de la musique traditionnelle, un peu si on partait du calypso ou du son dans d'autres pays, c'est que chaque musique traditionnelle a ça comme mission, c'est de témoigner de ce que nous sommes, de dire vraiment ce que nous sommes, protéger ce que nous sommes, développer ce que nous sommes. On le ressent avec Soft, il y a des valeurs un peu saudades parfois, j'ai envie de dire, mais il y a des valeurs aussi rythmées parce que le son du tambour de nos ancêtres est bien présent. Donc c'est un savant mélange, c'est pas ni larmoyant, ça interpelle et c'est peut-être pour ça que le succès est au rendez-vous. Le succès, c'est toujours une chance. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de la bonne musique. Et c'est vrai que moi, bon, j'ai l'avantage ou les avantages, j'ai une petite voix un peu fifi. Bon, les gens aiment bien ça. Et les instruments sont acoustiques. C'est des instruments, c'est-à-dire des instruments qui n'ont pas besoin d'être branchés pour avoir le son. Donc ça crée une espèce d'authenticité. Mm-hmm. Et on peut se recentrer sur les paroles. Et ça, je dois dire que c'était une tradition guadeloupéenne, c'est-à-dire d'écrire vraiment sur des paroles avant que le zouk love ne prenne le pas sur tout. Et même le zouk festif de Kassav, c'est pas un zouk où il n'y a pas de paroles, hein. Il y a toujours un sens. Et donc moi, je suis resté dans cette école-là, dans ce doigt-fil-là, cet héritage-là, l'héritage d'Éric Kozak. C'est pourquoi, pour les 20 ans, j'invite le premier invité, c'est Éric Kozak. Oui. Parce que c'est chez lui que j'ai pris ce truc-là, c'est-à-dire le tambour, les instruments ensemble. C'est chez lui que j'ai pris ça. C'est pourquoi, pour les 20 ans, on a François Ladrézo. Ben oui, parce que c'est la même équipe. Qu'acoustique, ben oui, c'est la même chose. Avec des Martiniquais qui ont un peu la même sensibilité. Mm-hmm. Victoro, avec Izzy Kenenga, qui lui me dit un jour, tu sais Fred, quand j'écrivais mon propre album, j'écoutais Dédé tout le temps. Je dis, ah bon, ben très bien, bon, on va faire ça ensemble. Okay. Du coup, on a même fait une version à deux de Dédé qui sort
Bientôt, ouais. Il a rechanté ouais. Dédé avec nous. Excellent. Et d'ailleurs, ils font partie de toutes ces personnes, des invités qui sont là le samedi 6 juillet. C'est 8 la juillet. Date, ouais, à ne pas rater. Hein. Oui, le ouais. 8 juillet au palais des sports du Gosier. Ouais. Une grande fête, donc avec tous ces invités et avec le meilleur de soft. 20 ans, est-ce qu'on s'en tient hommage, je veux dire. À présent, on s'en tient au de musique, la mie. Oui, ok. Parce que soft, c'est 20 ans d'histoire, ouais. C'est peut-être encore 20 ans d'avenir. En tout cas, ça va être de la meilleure musique. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a des projets déjà en cours? Ça veut dire que dès la semaine prochaine, okay. On met quelque chose à la radio qui raconte les 20 ans et ce plaisir qu'on a eu de partager et de jouer pour Music Guadeloupe. Ah, ça c'est un projet assez intéressant, une sorte d'autobiographie musicale, c'est ça? Il faut dire merci. Ouais. Il faut dire merci, il faut mm-hmm. dire merci pour ce qu'on est, pour ce qu'on réussit à faire. Il faut dire merci pour le partage qu'on a avec les gens, pour l'attention que les gens nous donnent, parce que personne ne nous doit rien. Est-ce que Soft, c'est l'illustration même de la qualité qu'on a de faire évoluer notre musique, sans pour autant, vous le disiez, copier des modèles extérieurs, et de se dire que finalement, on peut sortir des cadres. Vous parliez du Zouk Love aujourd'hui. On a la sensation, parfois, sans critiquer hein, les auteurs-compositeurs, parce que c'est souvent un boulot difficile, mais d'avoir un Zouk qui se répète souvent et qui a eu du mal peut-être à se réinventer. Là, on peut se dire que non. En partant de la tradition, on peut avancer. Mais la musique a des formes. On choisit le Zouk Love, on choisit le Zouk Chiré, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mm-hmm. Si on veut chanter du boléro, c'est pour l'amour. Mm-hmm. Donc, il y a des formes. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut maintenir la diversité dans notre pays. Notre pays a plein de musique. Mm-hmm. Et nous, on est une expression de ça, comme qu'Acoustique, comme d'autres. Mm-hmm. Comme Richard Bierman fait autre chose, comme d'autres Sadiq, par exemple, fait autre chose. Mais il faut maintenir la diversité de ce que nous sommes, puisque c'est ça, nous y est, Inactive Lantis Indianou. Nous c'est en diversité. Et nous avons valeur d'inspiration dans le monde. Hein. Soft aujourd'hui est connu partout. Avant vous, il y a eu d'autres grands groupes qui ont véhiculé nos traditions, nos musiques, notre culture. On doit avoir cette vocation-là d'exporter notre savoir. Alors ça, c'est une autre étape, malheureusement, que Soft n'a pas suffisamment cultivé parce que, à la différence d'autres, nous ne sommes pas des professionnels de la musique, nous avons tous un autre emploi. Ouais, ouais. Donc on n'a jamais pu faire ces grandes tournées de 3 semaines, d'un mois, etc. Mais la vocation de notre musique, c'est de dire que nous, les Guadeloupéens, on peut produire une musique qui est aussi belle et aussi universelle que celle des autres. On parle beaucoup en Guadeloupe dans tous les sujets de société, économique, politique et fondamentalement sociétal, de la difficulté du lien transgénérationnel. Est-ce que Soft, finalement, incarne cela? Parce que maman moins qu'à danser, grand-mère moins qu'à danser, et en cette tête, Simona moins qu'à chanter. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, mais quand je dis qu'il faut dire merci, quand on a eu le concert récemment avec Jocelyne Béroir, on a vu des familles, c'est-à-dire la mère. Oui. Et sa mère et son enfant. Ouais. Et on s'est dit, voilà, c'est ça. C'est ça. Si nous, on fait partie de ceux qui ont réussi ça, et bien merci pour ça. Parce que le talent, il est donné. Mm-hmm. Ensuite, le travail, c'est soi. Donc nous, on a beaucoup travaillé, et on continue à beaucoup travailler pour essayer de donner à ce pays-là la musique qu'il mérite. Parce que si nous faisons un grand pays, il faut nous nier en grande musique. Oui, et cette grande musique, il y a aussi une particularité de Soft, c'est que ça s'écoute aussi bien en voiture qu'en zouk, qu'en dansant, dans un concert. Ça, c'est une musique qui se veut accessible de façon transgénérationnelle et à tout le monde. Mais c'est parce que ce qui est recherché, c'est de décrire ce que nous sommes. Mm-hmm. Et ce que nous sommes, que tu aies 15 ans, que tu aies 50 ans, que tu aies 70 ans, tu es un Guadeloupéen, ça décrit ce que tu es. Mais au-delà de ça, il y a le swing du rythme traditionnel tout à fait. Et qu'on doit pouvoir retrouver et qui fait que on essaie de produire quelque chose qui nous ressemble, qui soit profondément enraciné. Mm-hmm. Et c'est très, très important pour moi de dire que tous ces musiciens avec lesquels j'ai joué, tous les gens avec qui on a cheminé pendant 20 ans, eh ben on va essayer de leur montrer notre meilleur spectacle le 8 juillet au Palais des Sports. Ouais, et réunir les Guadeloupéens à ce rendez-vous-là, c'est aussi une façon, sans doute, de dire que nous connaissons nos travers, nous connaissons nos luttes. Vous le dites avec des mots sur de la musique douce. Lutter, ce n'est pas forcément prendre le bâton, c'est aussi le dire et transposer des messages les uns sur les autres. C'est pas contre quelqu'un, c'est pour quelque chose. C'est lutter pour quelque chose. C'est ça. C'est pas contre quelqu'un. Ouais. C'est pas chercher chez l'autre les raisons de ce qui va mal chez moi. Mm-hmm. C'est dire que moi, je me prends en main, faire mes affaires. Et comme on dit tout le temps dans Music On Nous,
Nubak Pilet Kidot Moon. D'ailleurs, le nom, il a été choisi vraiment pour ça, le nom du groupe? Non, le nom a été choisi par hasard, oui. En montant sur scène. David Drumeau nous dit, mais qui est-ce qu'on doit annoncer? Et bien, sans réfléchir, on a dit Philippe Sadikalé et le trio Soft. Okay. Et c'est resté Soft. D'accord. Voilà, vous voyez, comme quoi, on a l'histoire. Ouais. Si on avait réfléchi, on n'avait pas choisi un mot anglais. Si on avait réfléchi, si on avait eu le temps de réfléchir, on aurait choisi Oussama Bittay. Mais on va dire que nous tripétifiques, mais nous t'ai choisi on bitait qui pire en crée. Mais les hasards, c'est aussi ça. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'il n'y a pas de hasard, parce que on parlait de cette volonté d'exporter cette musique, peut-être déjà dans la Caraïbe, autour de nous. Parce que les influences, on a parlé de l'influence traditionnelle, le gourka, bien évidemment, avec Eric Kozak, vous le disiez. Mais on a des sensations qu'il y a un petit peu de rythme très caribéen, voire brésilien, un petit peu parfois dans ce qu'on retrouve. Moi, je suis un guitariste acoustique et effectivement, la bossa nova influence beaucoup mon style parce que les Brésiliens sont allés très loin dans ça. Donc, on a ce style qu'on retrouve par exemple chez Bitova au basse aussi, cette manière de jouer. Oui, c'est ça. Bon, mais c'est parce que nous sommes des Américains, nous sommes ici. Ouais. Nous sommes, voilà, le truc africain est là, mais on est dans les Amériques. Donc, on ne peut pas être insensible à ce qu'on écoute. Moi, mon père m'a élevé au calypso et ça se retrouve. On a, on a Mamio qui est calypso, on a d'autres morceaux qui sont calypso, Amandine Street. Moi, je revendique tout ça. Je revendique ça parce que je suis un homme de 2023. Je ne veux pas jouer un Léroz d'il y a 70 ans. Non. Je veux jouer un Léroz de cette année. Et la musique, c'est la vie et la vie, elle évolue. C'est ça. Et pour terminer ce rendez-vous, on l'a dit, un très beau plateau à venir, samedi 8 juillet, donc au Palais des Sports du Gosier. Un beau plateau parce que vous avez parlé de Kacoustique, vous avez parlé de Izzy Kenenga, vous avez parlé de Métis Orlando et Admiralty. Voilà, j'allais y venir. Admiralty. Admiralty, c'est le seul avec lequel on n'a rien encore fait. Ouais, donc ça va être quelque chose d'assez surprenant. Mais c'est pour nous-mêmes aussi. Okay. Et ça va permettre de rappeler ce qu'il a déjà fait avant, ce qu'il avait fait avant. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. J'aime bien terminer comme ça avec cet effet de surprise et donner un petit peu, aller voir Soft le samedi 8 juillet donc au Palais des Sports du Gosier. Merci Fred D. Merci de m'avoir invité. Et bonne répétition d'ici au concert et belle fête d'anniversaire des 20 ans de Soft à tout le groupe. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur les antennes de TV.